Everyone Needs a Hero, une chorégraphie de Roy Verdonk, Grace David et Jeff Combs, intermédiaire, 64 comptes, 2 murs et 3 restarts, dont un qui sera répété 2 fois. On commence avec le poil du corps sur la jambe gauche, première session. On va faire un scum du pied droit, coup de pied droit, coup de pied gauche. On va faire un twist avec le genou droit intérieur, twist extérieur, un kick du pied droit, ball, cross et un side rock droit. La deuxième section, on croise le pied droit devant le pied gauche, quart de tour sur la droite en reculant le pied gauche, demi-tour sur la droite en faisant un swing du pied droit, on pose le pied droit, step gauche, quart de tour sur la droite et un cross samba, croise pied gauche sur le pied droit et side rock droit. La troisième section, rock step du pied droit, toast thrust du pied droit, un quart de tour sur la droite, rock step gauche, footlock sur la gauche, donc on avance le pied gauche un demi-tour sur la gauche et recule du pied droit un demi-tour sur la gauche. La quatrième section, un coaster step gauche, marche droit, marche gauche, quart de tour sur la gauche et un slide, donc large pas sur la droite et un sailor, huitième de tour sur 10h30. La cinquième section, step droit, demi-tour sur la gauche, triple demi sur la gauche, quart rassemble le quart, recul pied gauche, on peut faire un petit swivel avec la jambe devant, recul pied droit, pareil, un petit swivel, et un coaster step gauche, on est toujours sur 10h30. La sixième section, heel drive, avec un huitième de tour pour être sur midi, un behind side cross, large pas sur la gauche, on drive la jambe droite et on va faire un kick ball cross pied droit et cross avec la jambe gauche. La septième section, démonterie quart de tour, pointe de pied droit sur la droite, ascend pied droit pied gauche avec, en faisant un quart de tour sur la droite, pointe à gauche, ascend, pointe, quart de tour, pointe, ascend. La huitième et la dernière section, on va faire un rock step du pied droit en diagonale, un behind side cross, rock step du pied gauche en diagonale et on termine la section et la chorégraphie avec un coaster step gauche. Cette chorégraphie avec les comptes 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Dans cette chorégraphie, on aura donc 3 tags. Le premier tag à la fin du deuxième mur, on sera face au mur de midi. Le tag va consister à faire step droit, demi-tour sur la gauche, step droit, demi-tour sur la gauche. Ensuite, on fera out, out, in, in. Ce tag avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième et le troisième tag sont identiques. Il consistera à faire step demi-tour, step demi-tour. Le deuxième tag aura lieu à la fin du troisième mur et on sera face au mur de 6 heures. Et le dernier tag aura lieu à la fin du quatrième mur et on sera face au mur de midi. Donc je répète, ce deuxième tag sera fait de step droit, demi-tour sur la gauche, step droit, demi-tour sur la gauche, avec les comptes, pas de difficulté, 7, 8,